Zelda Link Aquaplaning, épisode entre le 12 et le 14, l'épisode maudit. Dans l'épisode précédent... Dis donc, t'as le chic pour changer de ton. T'as gueulé, laisse-moi lancer le flashback. Félicie, dis-moi, ce que j'ai vu dans ces ruines, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Link, c'est vrai, ou plutôt ça ne l'est pas. Tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens, n'est que le fruit des songes du poisson rêve. Chaque brin d'herbe, chaque habitant, tous n'existent que grâce à ses pouvoirs. Quand celui-ci se réveillera, l'île Cocolino et tous ses habitants disparaîtront. Leur destin est entre tes mains, Link. Mais n'oublie pas qu'ils ne sont qu'illusions, et que tant que le poisson rêve sommeille, tu seras prisonnier de ses illusions. Maintenant, que vas-tu faire, Link? Vas-tu réveiller le poisson rêve afin de retourner auprès des tiens? Ou vas-tu ne rien faire et vivre parmi ses illusions, tel un homme plongé dans un rêve sans fin? Tu n'es pas obligé de répondre maintenant, Link. Finissons d'abord de récupérer les instruments sacrés. Et à ce moment-là, tu feras ton choix. Je vais le faire. Je vais réveiller le poisson rêve. Tu es sûr de ton choix? Il est vrai que la disparition des habitants de cette île me fend le cœur. Mais, comme tu le dis, ce sont des illusions condamnées à vivre éternellement. Et je suis le seul à pouvoir les libérer. Très bien, Link. Dans ce cas, rends-toi au prochain donjon et accomplis ta destinée. Plus tard... Nous voici devant le temple du masque. Es-tu prêt, Link? Je le suis, Félicie. Alors allons-y. Mais qu'est-ce qui se passe? La suite au prochain épisode. Alors, faire le coup de foie et en plus raccourcir l'épisode, Colino tient vraiment pas à la vie. Bah, en même temps, c'est l'épisode... Entre le 12 et le 14. Allez, à plus les auditeurs. Non mais tu voulais me tuer ou quoi? Poisson d'avril. Non mais franchement, vous auriez dû vous en douter, je dis, ouais, j'ai deux épisodes, mais le deuxième n'est pas fini de mixer, je mettrai que le demain, fallait s'y attendre. Bon, en fait, il s'agit d'un demi-poisson d'avril. Alors pourquoi demi? Tout simplement parce que l'épisode en question, je l'avais... écrit comme ça à la base, vu que c'était l'épisode maudit. Donc, voilà quoi. Donc, gardez cet épisode en stock, parce que l'épisode 14 fera suite à la fin de merde de cet épisode. Quoi d'autre? Bon, là, il faut que je cause un peu pour remplir la bande, pour que le fichier soit assez volumineux, pour pas que vous vous doutiez de quelque chose. Donc, on va un peu parler de l'avenir du site. Alors, concernant l'avenir de la saga et du site, Zelda Link Aquaplaning est bientôt terminé. Tout simplement parce que j'ai bientôt fini d'écrire le script. Là, j'ai presque terminé d'écrire l'épisode 14. Il me manque que quelques répliques à rajouter. Et suivant comment j'écrire la suite, il y aura soit un épisode 15 et un épisode 16, soit seulement un épisode 15 un peu plus long. Ensuite. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, concernant les playthroughs, vous avez vu, il y a un nouveau playthrough qui s'appelle du jeu The Mark of Chris sur PS2. Alors, je vous raconte pas le bordel que ça a été pour l'enregistrer. Quoi d'autre? Ah oui, plus d'une semaine, rien que pour trouver le bon encodage pour pouvoir bidouiller les machins et trucs, parce que, si vous voulez, avant,
pour capturer les vidéos, je passais par le Dazzle, je passe toujours par le Dazzle d'ailleurs, mais seulement le fichier qui sort en sortie, c'est un fichier de le même genre de fichier qu'on retrouve dans les films en DVD. Or moi j'ai pas de logiciel pour faire de DivX. Donc j'ai d'abord essayé de convertir chaque fichier vidéo séparément, parce que vous savez, ça découpe en plusieurs parties, et ensuite de les assembler. Mais seulement ça marchait pas, et en fait ça coupait une petite partie de la vidéo et une grosse partie du son à la fin. Ça faisait qu'il y avait des parties où il y avait des blancs dans le son. Donc j'ai dû retravailler tout ça. J'ai enfin trouvé comment faire pour coder l'intégralité de la bande pour avoir un seul fichier uni. Bon, ça me donne un fichier énorme à la fin, mais c'est bon. Ensuite, une fois que j'ai mixé tout ça, j'ai quand même réussi à avoir un épisode 1 qui fait à peu près l'équivalent d'un CD-ROM. Quoi d'autre? Sur l'avenir du site, voyons voir. Pour les sagas à venir, alors là, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. J'ai déjà plusieurs projets en tête, mais j'ai déjà plusieurs projets que j'ai commencé à écrire, mais que je suis pas sûr de continuer, vu que je ne sais pas comment je vais réagir suivant la suite de ce que j'écris. Alors, je vous dis pas ce que c'est, hein, parce que moi-même, je sais pas exactement quel projet sortira en premier. Donc, je verrai à ce moment-là. Pour l'instant, j'ai continué à écrire pour le projet qui me semble le mieux abouti. Et je vous tiendrai au courant. Bon, là, je crois que la bande son est assez long. Donc, je vous remercie de me suivre dans mes conneries. Que j'ai l'impression que ça quand même joue pas mal sur votre QI, toutes mes conneries, quand je vois certains des commentaires écrits. Enfin, je vous remercie de commenter, hein, ça me fait vachement plaisir quand vous... Même si c'est des commentaires pas constructifs et tout ça, juste dire deux, trois conneries, comme avait dit Anonyme. Oui, parce qu'il a pas mis son nom, donc c'est en anonyme. Ben, rien que ces commentaires-là, ça me fait rire, ça me fait plaisir, et ça me donne du baume au cœur pour écrire la suite, donc continuez comme ça. Bon, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui, donc gardez bien cet épisode, hein, je vous le rappelle, même si vous coupez mon blabla, c'est pas grave, mais cet épisode est vraiment l'épisode entre le 12 et le 14. Oui, je suis superstitieux, donc je dirais pas le numéro qu'il y a entre les deux. non, c'est faux. Mais gardez cet épisode, parce que l'épisode 14 fera directement suite à l'épisode 13. Et vous verrez pourquoi ça a été coupé comme ça. Parce que la raison que je vais donner est la véritable raison pour laquelle l'épisode s'arrête à ce moment-là. Allez, salut !